Et bonjour à tous et à toutes, je suis le Cyberdé pour une autre vidéo sur Breath of Fire 2. La dernière fois, après des morts et énormément de chance en combat et un petit peu de farm, nous avons trouvé Baba dans la forêt, enfin dans une forêt, qui après un combat nous a donné sa hache. Afin que nous puissions prouver que nous sommes Baba et que nous allons pouvoir combattre dans le Mortal Kombat, évidemment, absolument pas. Nous allons pouvoir combattre au Colisée. Mais avant, une petite course à faire, quelques objets à prendre. Alors, du coup, pour ceux qui découvrent. Petite session de 1 heure pour ma part, qui sera condensée pour vous si jamais il y a besoin. Alors, équipement. Normalement, j'ai ça. Je peux me prendre un truc en cuir. Je vais me prendre le Ranger HB parce que notre cher Liu a besoin de un max d'équipement. Ah bah oui, 2 de défense, 3 de santé. Le cuir AR je le garderai pour Beau. Je dis Beau mais je sais même plus comment il s'appelle. Notre cher ami qui d'ailleurs est accusé. Alors. Il faut que je revienne le soir, semble-t-il. Exactement. Donc, on va dehors. Un petit coup de swap, swap journée. Et c'est bon. Et voilà. Incroyable effet de jour-nuit. Alors, où est-ce qu'il est, notre cher ami Grougrou, connard. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette hache? Oh, ça fait bloop. Tu es Baba? Eh ben, tu as une bien bonne bouille pour un gars avec un nom aussi étrange. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à voir une compétition entre un gars bizarre et une jolie fille. Bon, combat bien. Je travaille au Colisée, donc je te verrai plus tard. Et voilà. Nous allons pouvoir accès au Colisée. Je suis à la limite de dire Colisée de l'Olympe par réflexe. C'est Game P3 quand tu nous tiens. Et là, bizarrement, il n'y a plus personne. Tant mieux. J'aurais dû faire une sauvegarde. Mais je ne fais pas de sauvegarde parce que moi, je suis comme ça. Allez, tous les combattants, on va y aller dans la pièce de droite. J'ai pas envie. Je suis un connard. Moi, je vais là. Ah, je ne peux pas. Je suis obligé. Est-ce que je peux piller la caisse? J'aimerais piller la caisse. Donc la pièce de droite. Qui est donc celle-ci. Oui. Pièce de droite, bonjour madame. Nous vous attendions, Baba. Il va y avoir une dernière entrevue avec le manager du personnel. Veuillez entrer dans la pièce du centre. Pièce du centre. Ça va être là. Le manager, t'appelles ça un manager toi? Youhou! Ah bah d'accord, ok. Études, loisirs, talent. Aïe. Le manager qui t'agresse. Alors, t'as fait quoi? Non mais c'est un combat gratuit en fait, madame, monsieur. Bon, j'ai bien fait de choper des herbes pour éviter de me soigner et de gaspiller une magie. Sans doute fort utile, d'accord. Ah bah... Baba, attends. Ah, je m'appelle Baba maintenant. Ah bah oui, c'est mon nouveau nom. Ah, vous êtes pris? Oui. Ah, vous êtes pris? D'accord, bah je suis pris, le... Ah, vous avez réussi, Baba. Le chef vous attend dans la pièce à droite. C'était peut-être les qualifications ou le choix. Bonjour, Baba. Je suis le directeur Argus. On me reprend à la côte. Oh, grosse bague. Bienvenue, Baba. Vous avez de la chance. Votre adversaire est une femme. Je crois que ce sera une victoire facile.
Oh oh, vous pensez que combattre une femme ne constituera pas un défi? Ne soyez pas inquiet, elle est assez forte. Mais le fait est que le vainqueur est déjà déterminé à l'avance. Ah mon dieu, le scénario est écrit, le cruel Baba torture la fille et la tue. Je dis beaucoup trop de choses que Dialogue ne peut pas faire. Le public aime ce genre de choses. N'ayez aucune inquiétude. Il n'y a aucun risque Baba que vous puissiez perdre. Durant le combat, nous tirerons une aiguille empoisonnée sur votre adversaire. Tout ce que vous aurez à faire, ce sera éviter d'être touché par cette aiguille empoisonnée. Et aussi par le texte qui retraverse l'écran. C'est un travail dangereux, mais vous verrez le salaire qui vous attend dans votre coffre, vous serez motivé. Ok. Tout ce que vous aurez à faire, sera d'éviter d'être touché par cette aiguille empoisonnée. Ouais, c'est un travail dangereux. Mais lorsque vous verrez le salaire, vous serez motivé. La traduction, l'émulation. Le coffre est sur votre gauche. Le coffre. Non, pas ma gauche là. L'autre gauche en bas. Possible. Peut-être me soigner avant. Le coffre. Non. Bon messieurs. Le coffre est sur votre gauche. D'accord. Ok, donc vraiment tout est gauche. Ok. Donc gauche. Gauche, ok. Le coffre, ah bah ça doit être ce coffre. Ouais. Tu as beaucoup d'écran pour t'introduire dans ma chambre. Ah merde. Et que cherches-tu? Dans les cellules d'une fille. Oups. Sors d'ici, espèce de pervers. Un peu trop à gauche. Possiblement. Bon, petit dialogue caché sûrement. Baba a obtenu 1000 balles. Oh, vous avez des dettes là, cet argent est dans pour et votre salaire. Je vais me soigner. Une petite herbe ne me fera pas de mal. On va un petit peu ranger d'ailleurs. Mettre de l'or plutôt. Voilà. Bon. Et c'est fermé. Hey, Baba, comment va? Tu n'as pas l'air bien. Tu t'es pas effrayé au moins? Quoi? Une aiguille empoisonnée? Ah, tu plaisantes, c'est seulement du bluff. Personne ne tue personne durant le combat. Tu es convaincu que ce n'est pas du bluff? Je fais les 100 pas. Ok, j'ai compris. Ne dis rien et donne-moi tout l'argent que tu as. Bah non. Si cette histoire ouais, ta vie aussi est en danger, j'ai une idée géniale, donne-moi ton argent. Bon d'accord, dis-toi. Tu es un brave homme. Voilà, bon d'accord. J'ai acheté deux antidotes. Et si toi et ton adversaire en prennent un chacun, vous n'aurez rien à craindre de l'aiguille empoisonnée. Ouais, enfin l'antidote, ça vaut pas 500 bâches unité. Hein, on me la fait pas. Ah, bah la même alors. Oui. Tu vas pas pouvoir lui faire faire ce que j'ai dit. C'est une fille féroce comme Bilbul. Alors que faire? Comme un Bilbul, pardon. Bilboul même. J'ai trouvé, Baba. Pourquoi ne prendras-tu pas les deux? Parce que j'ai que ça à faire, évidemment. Et toi, tu la protèges. Elle n'est pas du genre à laisser quiconque la protéger, par contre. Il t'en faudra de l'assommer par surprise. Alors vas-y, prends-le quoi. Et t'as un Ouya, et bonne chance. Wesh. Frère. Baba, le combat va bientôt commencer, tu veux bien aller au stade? Non, j'ai pas envie. J'aime beaucoup quand on me dit, ah il faut que tu prends. Maintenant, comme prévu, lancez les 8 empoisonnés. Je me fiche de savoir quel combattant sera touché. Si nous avons un mort, alors nous aurons réussi. Ah, c'est méchant. Pas le point. Pas le point. Le méchant. Mais ça va être les morts, trop bien. Oh, c'est la poutre. Ah bah, t'es foutu.
Ah papa, et quel jour bizarre. Je fais exprès de prendre une voix dégueulasse. Hein. Oh waouh, la technologie lunaire. À cette époque. Ouais, Kate. Quoi? Il est gars, vas-y. Ah, tu es fou. Tu me fais pas peur avec un tel mensonge. Eh, tu es aussi répugnant que... Mais je t'emmerde. Essaye de me faire perdre ma concentration avec tes mensonges. D'accord, très bien. Ah, tu ne t'en tireras pas comme ça. Et c'est le combat. Ah, j'essayais d'analyser... Non. Ah, critique. J'ai mal. Même pas mal. D'accord, je sais pas ce que tu m'as fait, mais... Ouais, pourquoi pas. Oh, mais... Oh, le... Bon, bah, pas le choix. Son prochain tour. Herbe. C'est très bien. Je crois que je vais même en prendre deux, tu sais quoi. Yep. Ah. Un coup simple, mais deux herbes quand même. S'il vous plaît. Il m'aurait eu tête crevée. Eh bien. C'était censé être son cri, je pense. Bah, perdu sa force. Ah. Pardon. Mais mal. D'accord, c'est une raillerie qui a des conséquences sur mes stats. Intéressant. Un critique. J'aime ça les critiques, hein, mais... Oh, la riposte. Ça va pour le moment. Pour le moment, ça va. Un cri qui n'a émergé. Un seul point de vie. Deux dégâts. Deux. Ouh. Amélioration. Coup simple. Ok. Oh, regardez. Il a son XP 80 balles. Bon, combat. Pas si tendu que ça. Maintenant. Frappe là maintenant. Vas-y. Ouais, les gars, vous aider. Aïe, et je me la prends, et je me la prends derrière, et je me suis la double pris. Je me la double prends. Ah, c'est grave, baba. Je me suis double pris dans la gueule. Ah, je ne pensais pas que c'était vrai, cette histoire. Une écu empoisonnée. Ah, j'aurais dû la forcer à prendre ce remède. Eh bien, que devrions-nous faire? On t'a aussi menti. Tu ne vas pas laisser Argus sortir comme ça, hein. Laisse-moi t'aider. Land a rejoint le groupe. Mais bien sûr, Land. Mais raconte-moi un petit peu ta vie. Elle dort. Bon, Land. Et quelque chose. Alors, Land est quelque chose. Il en sort. Ouais. Bah, il est comme beau en fait. Ok. Fais voir tes stats. Enfin, ton équipement. Alors, une phalange, c'est une arme classique, bandana, casque, ouais, peu de cœur, peu de santé, peu d'esprit, mais équilibré attaque-défense, ok. Bien, Land, tu vas me suivre, je veux juste voler ce qu'il y a là, parfait, une petite herbe, est-ce que j'ai repris ma vie d'ailleurs? Oui, le jeu est bien fait, j'ai repris toute ma vie. On va casser la lugue à Land. Je ne peux toujours pas sauvegarder, je tiens à le dire. Ce qui fait que si là je meurs, en fait je recommence... Enfin, je perds 15 minutes de vidéo. Ça ne m'arrange guère, voyez-vous, mais... J'y crois. Attention le boss. Alors baba, qu'as-tu pensé de mon scénario? Comme je le pensais, le public a adoré. J'aime l'argent. Argus, je n'aime pas du tout apprécier. Je n'aime pas du tout apprécier, pardon. Oh, tu n'aimes pas que ce soit une fille qui soit tuée? Oh, quelle misogyne, colère. Préférais-tu que ce soit un garçon comme Baba qui soit tué?
J'ai essayé de mettre un peu de piment, alors votre ennuyeuse vie, c'est la partie d'un bon sentiment. Oh mon dieu, c'était un méchant. Nous faisons combattre les uns les autres. Et vous blessez, puis nous tournons ça en spectacle. Ainsi le plaisir de vous, tous vos esprits perdus deviennent la force de notre dieu. C'est décevant de ne pas pouvoir transformer notre combat en show. Au moins, nous vous tuerions avec style. Ah mais, ah mais je suis que deux. Oh non. Bon bah... Go. S'il y a un mort, tant pis. Oh, 17 de dégâts. Et la doublette. Oh, double tour, mais quel salaud. Ah, phalange, c'est point. Ok. Je comprends mieux. Argus a gagné des forces. Ça veut dire qui me la met. Coup fort, donc critique. Ok. Sort. Oh, je vais utiliser un soin sur ma gueule. Vu que j'attaque en premier, ça passe. Je suis full life. Ok. Là, il attaque une fois. Deuxième. Ok. Bon, Land, j'y crois. Land, je pense qu'il peut s'en sortir. Ok. Donc, un crit ou une esquive. C'est beau. C'est très beau ce qui se passe. Merci, la RNG. Ok. Et ça va être sur... Ah, ça va être sur Land. Ok. Bon. Je vais utiliser... pas un soin, non, un objet. Ah, quoi que si, un sort sur Land et Land attaque. Il devrait au moins survivre un tour de plus. Attends, il a pas beaucoup de vie par contre. Ah, là par contre, non, ça va. Peut-être utiliser une herbe sur moi. Herbe Land, j'y crois. Moi j'y crois, Land. Moi je crois son potentiel. À moins qu'il se la... Parfait, c'est pour moi le critique. Et critique de Land. Là un tour full attaque. Ok, le critique il va faire en esquive. Pour le moment ça se passe plutôt bien, ok. Sort. Hop, sur moi. Ok. Ça va, ça se passe bien. Je bouffe le critique, mais je peux survivre encore un tour. Non, je vais pas prendre le risque. Putain, j'ai 4 herbes. Il faudrait que j'en achète un petit peu plus des herbes. Donc il y aura peut-être du farm à un moment. Ah, putain. Évidemment. Donc 0 XP pour Land. Ah bah alors la doublette hein. Je me prends. Ah évidemment. Soin. Bah du coup ça annule la riposte. J'ai pas un truc pour Tiens bah roche-feu. Allez. Petite animation. 172 et fin. J'ai utilisé un truc potentiellement utile, mais tant pis. Mais la graine a été plantée. Elle ne pouvait pas contrôler notre dieu rien qu'en me renversant. Ouais, je décède. Hey, quel est ce vieux dont tu me parles? Pourquoi tu as remonté tes manches? Ah, le monde de notre dieu arrive. Il est de plus en plus proche, sans que vous vous en rendiez compte. Et il explose. Il explose. De quoi parle-t-il? Tu aurais pu penser que nous allions rencontrer un homme si mauvais. Il semble que nous soyons dans une belle pagaille. Eh bien, Baba, nous devons nous battre. Enfin, nous devons nous battre. Bon, il a gagné. Il est mort. Ah, mais il est mort pour de bon, là, ou... Il n'y en a pas... Ah, mais genre, il est décédé, décédé. Et il a gagné 0 XP. Aïe. Et du coup un soin en à l'hôtel ou alors si je dois le ressusciter. Oh, si je dois le ressusciter, ça me coûte cher en argent. Ah, bonjour. Baba, c'est terrible, justement votre ami. Kat, s'il vous plaît, venez seulement avec moi. Non.
Qu'est-ce qu'il y a? Toi, Baba, comment oses-tu? Ah bah oui, évidemment. Ah, on ennuie. Comment oses-tu me tuer de cette façon sournoise? Avec un truc comme une aiguille empoisonnée? Baba, je ne laisserai pas t'entraîner comme ça, viens, sale rat. Non, pas de combat, non, je vais crever. Arrête, putain, arrête. Arrêtez! Et pas de violence! Et j'ai ramené Kate en usant un sort magique de l'église de Saint-Eva. Ah, cool! Ah, bouge, Baba, toi de toi! Elle agit de cette façon depuis qu'elle s'est réveillée. C'est comme le bidule. Oh la vache. Kat, s'il te plaît, calme-toi. Et explique ce qui s'est passé. Pour l'interrogation. Baba a utilisé une aiguille empoisonnée, c'est faux. Pour me tuer, c'est faux. Attends, attends une minute. Ah, c'était les actes d'Argus. Il était possédé par une chose malfaisante. Il a essayé de faire un spectacle de personnes qui s'entretuent et se sacrifient pour un dieu ou un démon ou un truc comme ça. Quelle terrible chose! Ah mon dieu! Oh mon dieu! Je dois arrêter cet homme malfaisant avec la force de cette dame, putain! Je dois répondre à la foi comme bon croyant aussi. Non, je veux arrêter. Arrête. Donc, voici l'effet de test play, Baba. Oh! Elle vous dit des choses que je ne comprends pas pour me rouler. Ce n'est pas vrai, tu es têtu! Tu as risqué ta vie pour sauver celle d'une autre personne et c'est les remerciements que tu as eus. D'accord. Que vas-tu faire maintenant? J'ai besoin de Kate pour qu'elle dise qu'elle a volé des trucs. Je pensais aller chercher le travail comment tout faire. Baba, répare-le-toi de la cachette. Hein? Non. Ouais, je suis perdu. Ça a l'air bien, je veux. Oh, ils se sont gourés, ils ont confondu avec Beau. Hé, ne m'ignorez pas, laissez-moi aider aussi. Mais non, mais casse-toi, tu dis ça si facilement. Connais-tu quelque chose sur comment réparer une maison? Réparation, c'est ça, c'est du gâteau. C'est un truc comme ça, non? Pas loin. Qu'est-ce que tu fais t'envoyer un bâton à avoir avec des réparations? Dis-tu que c'est faux? Absolument faux. Mais je suppose que tu veux inciter pour venir avec moi. Je crois que ça veut dire ouais. Je comprends pas pourquoi tu dis pas simplement ça. Et Kat vient aussi. Et du coup, on est trois clampins. Laisse-moi clarifier une chose. Aussi longtemps que tu viendras, j'espère que tu travailleras. J'essaie la réparation, tout ça. C'est ça, hein, la cachette, hein. C'est ça, bref, fille. Ça passe pas, ça. Alors, donc, nous avons... Ouais. Par contre, Land a réussi à revivre. C'est pas mal. Donc... Kat possède 0 sort, 0 PM et en équipement du bois, bracelet, bandana, un tissu. Ok. Bon, maintenant que j'ai une tripotée de combattants, je vais acheter, première chose, de l'herbe et nous allons faire un petit voyage rapide. Enfin, ouais. Voilà, 14h. Nous allons faire un petit voyage rapide avec un petit peu de farm. Parce qu'il en faut du farm pour monter un peu Kate et Land. Ordre, oui. Du coup, un petite accélération, petite phase de farm jusqu'à arriver à retrouver Beau. Ou Baba, je sais plus comment il s'appelle. Et... je vous retrouve dès qu'on y est. Et nous sommes arrivés. Incroyable. Ah, c'est Brooch. Ah, bon retour. Lui. Ah, c'est Brooch. Ah, qui sont ces gens? Et qui sont ces gens? J'arrive pas à différencier les voix. Oh, c'était dur, n'est-ce pas, Ryu? Est-ce qu'il va mal, les noms de Ryu? Bah oui, les deux noms sont étrangers. Dis, Liu, Land semble pouvoir aider pour la réparation, mais Burgit, c'est pas rien, hein. Je sens que si j'arrive à réparer quelque chose, elle pourra bien le casser à la place. MDR. Baba, oh. Pardon, Liu. Qu'est-ce que vous chuchotiez? Ah, à nous, nous parlions des réparations à faire sur cette maison. Réparation? Assez simple? Ah, oui. Non, tu sais, lors des mois, on peut s'occuper de la réparation.
Ok, tu vas aller chercher avec Ryo pour trouver cette voleuse, évidemment. Quoi? Ok, je peux pas faire ça. Je peux faire ça, pardon. Eh bien, allons-y. Et elle me ramène. Nous partons maintenant pour trouver cette voleuse. Tu peux compter sur nous, nous la trouverons. Oui, et je vais sauvegarder. Dès maintenant, pour éviter de perdre ma partie. Pour éviter de décider, comme une grosse... merde. Allez-vous continuer votre voyage? Oui. Soyez prudent. Du coup, je vais augmenter un petit peu... bah, 4... voleuse. Donc, il faut que je fasse demi-tour jusqu'au village. Et donc, nouvelle ellipse. Incroyable. Nous, revoici dans la ville. Bonjour, madame. Quoi? Une femme avec des ailes? Je suis en train de me parler de la fille de l'école de magie. Bien que je ne pense pas qu'elle puisse être une voleuse. Alors, que je... D'accord. Ok, ok. Hey, qu'est-ce que tu crois faire? Oh, excusez-moi, êtes-vous blessé? Ah, mon Dieu, que se passe-t-il? Je suis blessé. Tu as essayé de me tuer. Je suis désolé. Mais vous, messieurs, vous êtes trop obstinés. C'est juste... Oh, putain. Nina, sois gentil et viens avec nous. Alors, j'aime bien te voir. Oui. Oh, tu m'as électrocuté. Ne me laissez pas tranquille. La prochaine fois, je me retiendrai pas. Ah mon Dieu, les méchants, méchants. Mince, elles ne reviendront. Oui. Ok. Quelle action, quelle action. Oh, wow. Et c'est l'école de la magie. Est-ce que je peux aussi apprendre des tours? Bah oui, normalement. Bon, allons-y. Ok. Alors, découvrons un petit peu cet endroit, hein, j'ai envie de découvrir. Regarde aux esprits maléfiques. Grande leçon, les esprits maléfiques ne sont pas gentils. Et ouais. Les gens de Venture ont des ailes blanches, mais Nina a des ailes noires. Inhabituelles, hein? Noires, comme ça. Pardon. Elle est noire, ça veut dire qu'elle est différente. Ah oui. Alors Nina. Non, c'est des ailes violettes, hein, madame la juge. Je suis désolé. Yuji. J'ai utilisé ma magie. Donne-moi la raison. Donne-moi la raison. Dernièrement, une bande qui se met là. Bande du Joker. Ah. Excusez-moi. Le toupet. Si vous nous enseignez un peu de magie, Ryo et moi pourrons les attraper pour vous. Ah oui, d'accord. Ouais, tu es une fille courageuse. Tu vas apprendre la magie. Alors, enseignez-moi pas tout. Oui, enseignez-moi. Si je pourrais attraper les sales types. Non, c'est pas possible. Je suis vieux. Attends. Là, encore. C'est la première fois d'enseigner la magie là, à quelqu'un. Il semblerait que. Qu'il ait l'intention d'attendre aussi longtemps. Ah mon Dieu, le bandit méchant, méchant. Ah ah ah, c'est vrai, nous n'abandonnons pas, petite Elina. Regarde, je suis tellement méchant que tout est cassé, encore une fois. Et parce que tu es si mignonne. Et ta sœur Amina est mignonne aussi. Oh, waouh, quel regard. Je n'ai pas encore rien fait, mais si tu ne viens pas avec moi, tu ne sauras jamais ce qui va se passer. Je suis méchant. Oh. Et maintenant, Elina, laissez-nous t'emmener vers ta petite sœur. Gardé par Roger, Raoul et Jean-Pierre. Et que se passe-t-il là? Oh putain, j'ai mal la jambe. Ils ont pris la jeune sœur de Nina en otage. Ah merde. Si on faisait rien, Nina devra faire tout ce qu'il y a en haut. C'est pas joli. C'est Sarah. Et c'est ma meilleure de moi. Je vais aller leur régler leur compte. Bon, allons-y. Et s'il vous plaît, Nina, dépêchez-vous. J'ai une crampe. Ah. Et pendant ce temps, dans le cours d'à côté. La seule façon de se recharger en magie, c'est d'utiliser la méthode du bouche à bouche. Oui. Je suis... Attends, non. Il y avait un truc. Ouais, par contre, merci. Excuse-moi. C'est des shots, n'est-ce pas? Ah, c'est un acco. Quoi? Pardon. Alors du coup, faut que j'aille voir les voleurs et la bande du Joker. Bon bah déjà sauvegarder, encore une fois, oui, mais il faut la sauvegarder, c'est important. Enfin, pour moi, c'est important. Pour vous, sûrement pas, mais pour moi, ça l'est.
Allez-vous me raconter votre histoire? Oui. Je l'ai enregistré. Allez-vous continuer? Oui. Ah, soyez prudents. MDR. Alors, encore une ellipse. Un petit peu de farm et savoir si je dois récupérer les autres gens. Je suppose que non, mais du coup, ellipse. Bon, alors, c'est là qu'on va s'amuser. Je sens que je vais m'amuser comme un petit fou. Hein? Bah vous laissez rentrer. Allez au diable! Oh là là, ça va être ça. Oh, ça va être ça. Oh, je vais regretter. Je sens qu'il y a un regret qui va s'installer dans... Oh putain, ouais. Oh là là. Niveau 7. Bon, au moins, ça va XP assez vite avec Kate. Ce qui va se passer, c'est que j'ai essayé d'avancer le plus loin possible, et si je n'y arrive pas, il va y avoir du farm. Et j'espère pouvoir y arriver. Tu me laisses passer, bro? Tu me laisses passer, bro? Bon, je vais fouiller un petit peu tout et faire les combats. Le nom du chef, c'est Joker. Et mon nom est Guevara. Et ça, c'est des toilettes. Ok, bro. Ok. Bon, au moins ils sont sympas, ils me laissent passer. Ah là, il y a un coffre par contre. Tous les trésors appartiennent au chef. Il ne partage pas avec moi. Son petit frère. Ah d'accord, donc c'est vraiment juste pour le Lulz. Ah, Jean-Mi, salut. Win. Salut, mon nom est Win. Je n'ai aucun lien avec la vente du Joker. Je vis dans cette caverne, tiens, je n'ai pas de chez moi. T'es pas triste, Win? Un peu triste, ouais. Bon, bah toi, je vais te combattre. Mon père est le petit frère du chef, vous le saviez? Non. Est-ce que cela m'intéresse? Ah, gros combat, oh là, ça l'a mangé. Je connais le chef depuis l'enfance, mais dernièrement, il a changé. Je suis le jeune frère de l'ami du fils du chef, mon nom est Gabe. Lui, c'est Toller. Le quart de trésor, c'est Late, et son fils, c'est Pan. Et le frère aîné du chef, c'est Guevara, là. Quand tu y penses, ce ne sont rien que des parents. J'ai pas retenu votre nom, ni du tout, les gars. Quel est le petit frère du cousin de mon père? Qu'est-ce que j'en ai à faire, bordel? Alors, pendant ce temps, quelque part... Bon, on se bat. Quoi? Es-tu une connaissance du chef? Alors dis-moi le nom du neveu du boss. Pain. Alors, direct, tu dis avis. Sérieux? Bon bah... J'ai eu de la chance. Je crois. Quoi? Tu n'as pas appris par chef, l'interrupteur est dans le trou, ok? Le trou? Bro. Te fous pas de ma gueule. Ryu était mordu et ouais. Ryu reçoit des dommages, mais tu es tombé dans le piège. Une araignée venimeuse se trouvait dans ce trou. Si tu étais un ami du chef, tu aurais dû le savoir. Il en renonce. Ah merde. Ah. Alors, je suis empoisonné et il y a une araignée qui m'emmerde. Kate va crever comme une grosse. Bon, là, ah non là, le larbin là, il est. Le larbin, il a un poil plus fort. Et j'ai du poison dans la ligue. Bon, ça va le faire. Regarde la masse critique. Moi, j'y crois. J'y crois absolument, hein, je tiens à vous le dire. Regardez ça, ce double critique, incroyable. J'y ai toujours cru. J'y ai toujours cru, je l'ai dit, moi. Bon, par contre, objet, je dois voir, voilà. Et de l'herbe. J'ai encore pas mal d'herbe, ce qui me rassure. J'ai encore 10 herbes, du coup, il fallait que je fasse quoi? Je sais pas ce qu'il fallait faire. Mais je sens que là, ça va commencer à être tendu. Là, ça sent... Ah, là par contre, ouais.
Attaque surprise, ok. Je ne connais pas ces Pokémon. Moi je dis Pokémon, mais voilà, je ne connais pas ses ennemis. Ça pourrait être un bon spot à farm, ça, par contre, pour Kate. Ouais. Ouais, du coup. Du coup, je réfléchis à ce que je vais faire. Sunchance. C'est quoi? Un porte-bonheur. On verra plus tard. Je pense que je vais farmer cet endroit un petit peu. Ouais. Ouh là là. Un feu follet, c'est très très mal parti. Attaque-moi. Très belle animation, mais un critique à 18 et c'est bon, ouais. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais farmer ici avec Kate pour au moins l'amener niveau 8 ou 9. Attaque surprise, oui, bah pas les trucs. Ouais, j'aurais dû farmer avec Kate un petit peu, mais c'est ce que je vais faire. Du coup, séance de farm, et puis dès qu'elle sera à 8 ou 9, petite ellipse. Pour revenir acheter de l'équipement de la défense pour elle et je reviendrai ici pour finir le jeu, enfin pour finir le donjon plutôt. Je pense qu'on est parti, on est parti. Bon, alors, après 10 minutes de farm, je pense que je vais m'arrêter là. Il reste pas grand chose à 4 pour aller jusqu'au niveau 9. Le truc, c'est que je me suis rendu compte que le total d'XP gagné en combat est réparti de manière équitable sur tous les héros. Ce qui fait que pour 90 XP, c'est pas 90 XP par personnage, c'est 90 XP divisé par le nombre de personnages. Et c'est ultra chiant, ce qui fait que le farm prend plus de temps. Du coup, je vais m'arrêter là. Pour cette petite session, j'espère cependant que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas pouce bleu, commentaire, si vous avez des strats pour maxer l'XP, maxer l'argent, des petits tips pour trouver des équipements, faciliter les boss, tout ça. De vous abonner pour ne pas rater la suite des vidéos et si la chaîne vous plaît, je vous invite à regarder ce que je fais d'autre. Il y a Twitter, il y a Instagram, tout ça. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Breath of Fire 2.